Ici, ce qui m'intéresse, c'est, vous l'avez compris, la main droite. Vous pouvez être certain qu'après quelques années de cours, cette petite fille aura ramolli son poignet droit. Alors vous me direz, oui, mais elle tire pas son archer complètement dans l'axe, elle dévie à la pointe. Bref, c'est pas parallèle. Il y a plein de défauts, tout ce que vous voulez, mais prenez exemple sur sa dynamique de main droite, de poignet droit. Elle joue avec son épaule, elle joue avec son coude, donc son bras et son avant-bras. Le poignet est stable. Et je ne vois pas de crispation dans les doigts. Chez les musiciens adultes, vous verrez très 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 fréquemment des poignets trop souples. À l'archer, évidemment. Parce que la confusion entre la souplesse que vous voulez chercher dans votre jeu, dans votre son, et la souplesse que vous mettez dans votre corps est énorme, particulièrement au niveau du poignet. Parce que c'est enseigné, parce que tu as entendu te dire relâche ton poignet, parce que peut-être toi-même tu l'as enseigné ou tu l'enseignes encore à tes élèves en disant tes doigts sont trop crispés, relâche ton poignet. Tu as mal au poignet, relâche ton poignet. On te l'a mis dans la tête, tu l'as vu chez les autres. On te l'a dit et tu l'as même proposé. Donc évidemment, lorsqu'il s'agit de sortir de cette mollesse ou du relâchement que l'on trouve très fréquemment dans les changements d'archet au talon, ben c'est un peu compliqué parce que toutes tes références sont un poignet relâché. Tu as lié ton retour d'archet au niveau sonore avec ce petit mouvement de poignet. Or, cette jeune violoniste n'a pas été encore éduquée à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a pas dû lui dire grand-chose au niveau du poignet. Et ce serait intéressant de la retrouver quelques années après et voir comment cette jeune violoniste a évolué et si elle a fait finalement comme tout le monde parce qu'elle a entendu comme tout le monde ou si elle a réussi à éviter ce piège. Mais ce serait très étonnant. Donc évidemment, si vous avez des doutes sur la stabilité du poignet, le mieux, c'est de continuer à expérimenter et de voir si vous êtes satisfait avec un poignet mou, avec cette souplesse des doigts, vous savez, cet enseignement que l'on donne avec, voilà, pour relâcher les doigts, allez-y, faites des mouvements de doigts. Ça, je vais vous montrer une vidéo là-dessus parce que c'est horrible. C'est horrible, c'est hyper fréquemment utilisé ou enseigné. Et, mais quel drame! Je reviens avec ça un de ces jours, peut-être demain, je ne sais pas, mais. Quelle horreur! Je vais vous montrer ça. Et peu importe le violoniste que je prendrai pour le montrer, parce que c'est tellement enseigné que faudra pas se focaliser sur cette personne. Voilà. Pour aujourd'hui, inspirez-vous de cette jeune violoniste et essayez. À demain, ciao.